poisson. Oh, oh, pichon. Pichon. Il est gros, mon pote, il est gros. Oh. Eh bien, salut à tous. Et coucou. On espère que vous êtes bien pour notre part. Ça va nickel. Comme d'habitude. Aujourd'hui, voilà, on retourne sur le petit lac où il y avait des black bass. Et où, camping. Au camping. Et aujourd'hui, un objectif spécial, une pêche spéciale, puisqu'on va pêcher black bass avec une canne à cou. Une canne à cou. On va tester ça, on va faire un petit défi, on va voir ça. Donc, on est accompagné de Mathieu. En tout cas, avec la vidéo commence. Tu mets le pouce bleu et aussi tu t'abonnes et t'actives la cloche de notification pour rater aucune vidéo. Et on te souhaite une excellente vidéo. Tu poses tes fesses tranquillou sur le canapé, le petit popcorn qui va bien. Et après, c'est parti. Et c'est parti, let's go. Allez, canne à cou, et on va essayer de pêcher au worm. Voilà, canne à cou de 3 mètres. Et on va essayer de prospecter les bordures. Et après, on pêchera aussi avec la canne à l'heure. Là, vraiment, on va tester, là, on va faire ça. Avec une canne à cou, ça peut le faire, le black bass. Je monte un 30 centièmes, hameçon de chez Action, gros hameçon là. Un petit peu d'andiner. Prête, madame. Ah, il y a poisson, poisson, poisson. Direct. Bien joué. Vite, vite, vite. Hein? Hop. Alors, la sensation. Il s'est fait déboîter. Il a décroché une énorme fiche. Ah, la canne à cou, il est aussi. Hein. Canne à cou avec. Oh là là. C'est du n'importe quoi, là. Pêcher le black bass avec une canne à cou, faut le faire, les gars. On vient juste d'arriver, quoi. C'est un truc de fou. Bon, ben on continue. Hein. Ah, j'ai accroché moi, attends. Ah merde. Ah non. Ah putain, ah merde. Oh, quoi, le bourrin. Ah, j'ai récupéré. Allez, ça y est, enfin je m'y mets. Et moi aussi j'ai mis un worm. Et j'ai pris ma canne à l'heure normale en fait, de Wixam. Hein. Et c'est parti. Donc je vais voir si je fais des black bass. Ah, comme un coup, ouais. Sympa. Voilà. Oh non. La canne a cassé, alors là, il y a les mollo. Tu veux que je t'aide? Ah ben voilà. Ouais, oh ben ouais. Ouais, je veux bien que tu me les pises. Oh, il est gros, mon pote, il est gros. Oh, pas petit. Get ça. Énorme. Ah, tu peux... ah, il m'a pété la canne, mais je suis trop content. Attends, oh, cassé le sillon. Oh là là, le black bass quoi, 40 cm bim. Oh, le black ounette qui nous a fait quoi. Oh, le big fish quoi. On va pas en faire rien. Hein. Poisson. Oh, oh, pichon. Pichon. Yes.
Oh, un canne à cou, bonne idée. Un canne à cou. Fiche à la canne à cou, quoi. Fiche à la canne à cou, les gars. Énorme. C'est le but. C'est bon. Ouais. Allez, bon, il faut qu'on va retourner. Voilà, là. Ouais. Post bro. C'est validé. Donc validé. Je sais plus l'appeler ça, il faudra demander à Mathieu après. Là. Paul Wakey, je sais pas quoi. Ouais, bon. Bah, en tout cas, c'est validé. C'est pas possible, hein. Pourquoi j'en ai bon, on repassera. Allez, 2-2. Ouais, ben bah, c'est le plus petit. C'est bien, c'est bien. Oh, warm toujours, ouais. Petit warm en walkie là, avec mon petite astuce d'émerillon qui tourne. Ben ouais, ça va bien ça. Tu mets un émerillon sur l'hameçon en plus, comme ça le verre quand il descend, il gigote bien. Mais là. Et voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec la canne à cou, je peux tester des endroits comme ici. Le problème, c'est que si je fais un poisson, bah c'est un petit, je peux le drop, mais c'est pas un petit. Je vais être un peu de la coca, tu vois. J'aurais bien aimé. Attendez. Ouais, j'ai pris des branches, c'est pas grave. Attends, les gars, voilà, c'est une nouvelle discipline. Changement de camp. De mon côté, il n'y a rien, du coup, je vais aller voir ailleurs. Si j'y suis, enfin, si le poisson y est, hein, du moins. Et voilà. A de suite, hein, ou pas. Si je suis pas dans l'eau d'ici là. Bon, comme tu as vu, j'ai réussi à faire un black bass à la canne à cou, mort de rire. Après, la canne action là, que j'ai, là, c'est une canne action. C'est une canne décathlon que j'ai. Le, je sais plus quoi, essentiel, 3 mètres, truc que tu payes 4-5 balles, tu vois, et franchement, ça a fait le taf. Truc de fou, malade mental. Donc, ça va aller, c'est validé. Voilà, Mathieu s'est dit, tiens, on pourrait peut-être lancer, tu vois, une conception, une technique de pêche nouvelle. Voilà, pêcher le black bass comme ça, en stalking, enfin, stalking, en prospection. Avec une canne à cou, ça peut être marrant, ça peut être un bon truc à lancer, pourquoi pas, en mettant une canne tu vois, beaucoup plus costaud, pourquoi pas ouais, un gros élastique, une canne un peu plus grande, et tu vas te poser comme ça, t'attaques. Après c'est un peu connu aussi, quand il y en a qui ont déjà essayé comme ça, mais ça peut être un truc à voir pour l'avenir. Toi t'as fait quoi, Poupe? Alors, comme ils l'ont vu, ben, j'ai accroché dans l'arbre. Ah, bravo. Bon, moi j'ai changé de méthode, là je me suis mis un peu avec la canne action là en bordure parce qu'il y a aussi des carpes, les carpes koi il paraît, mais des carpes c'est sûr, il y a des carpes amour aussi, donc j'ai mis une boule de pain demi, tu vois, bien serrée parce que j'ai pas de plombage forcément, et voilà, je lançais ça vite fait en bordure en attendant que les potes finissent un petit peu la prospection,
je retenterai là avec la canne, on va laisser reposer un peu le coin, voir s'il y a encore du black bass. Mais bon, on a validé déjà, c'est pas mal. Maintenant, pourquoi pas faire une carpe avec une mie de pain, bon, de rigole.